Nous avons bien mangé ce soir. Et la tante de Bobby Watson, la vieille Bobby Watson, pourrait très bien à son tour se charger de l'éducation de Bobby Watson. De quel Bobby Watson parles-tu? Je suis en mission de service. Je me suis acheté un pot de chambre. J'ai joué la cantatrice chauve pendant 10 ans, le rôle de Monsieur Martin dans la mise en scène du grand Nicolas Bataille. Et petit à petit, là, tous les soirs, des idées me sont venues pour finalement monter le spectacle en tant que metteur en scène, avec plus de couleurs, plus de fantaisie, plus de musique. Et on est arrivé à un résultat qui me plaît beaucoup et pas seulement à moi. Nous étions donc vis-à-vis, chère madame. C'est là que nous avons dû nous voir. Que c'est curieux. Ma chambre à coucher a elle aussi un lit. Avec un édredon vert. Et se trouve au fond du corridor, entre les vatères, cher monsieur, et la bibliothèque. Il a beau croire qu'elle est Elisabeth, elle a beau croire qu'il est Donald, il se trompe. Le texte de la cantatrice chauve est quasiment impossible à dire. Il est plein de non-sens, plein d'absurdités. Il peut ouvrir 1000 portes et moi je ne voulais ouvrir qu'une porte, celle de la fantaisie, de la couleur, comme j'ai déjà dit, de la musique, et donc de l'importance pour les comédiens de respecter une forme de partition. Et donc j'étais extrêmement rigoureux. Et ils sont arrivés au résultat que je souhaitais, c'est-à-dire dire le texte original avec toutes les indications de mise en scène que je leur ai proposées. Fantastique ! Enfin, de quoi s'agit-il ? Pas de blé, pas de feu. Alors, dit le serpent, donnez-moi de l'argent. Le château prit feu. Je suis son petit jet d'eau. Moi, j'ai voulu que pendant le travail de direction d'acteur, il y ait beaucoup de liberté laissée aux interprètes. Donc que ce soit très ouvert, qu'ils puissent me faire des propositions comme ils le voulaient, comme ils le souhaitaient, comme ils le sentaient sur le moment présent en fonction de mes indications. Et nous y sommes arrivés. Un jeune veau avait mangé trop de vers pilés. En conséquence, il fut obligé d'accoucher. Il mit au monde une vache. Cependant, comme le veau était un garçon, la vache ne pouvait pas l'appeler maman. Elle ne pouvait pas lui dire papa non plus parce que le veau était trop petit. Ce. Par. Par. Là. Ce. Par. I. Si. C'est pas par là, c'est par ici. C'est pas par là, c'est par ici.